À seulement 25 km d'Avignon, l'île sur la Sorgue est bordée de toutes parts par la rivière. Patrimoine historique unique, douceur de vie incomparable, cette ancienne cité de pêcheurs est un vrai coin de paradis. Et ce coin de paradis, c'est Vincent, un enfant du pays qui tenait à nous le faire découvrir. Si Avignon n'est jamais très loin de son cœur, cet amoureux de l'eau souhaitait d'abord nous présenter le fief qu'il a vu grandir. Moi, j'ai grandi au bord de l'eau, au partage des eaux, un peu en amont de la ville. Et j'ai toujours été au bord de l'eau. Tout petit, on allait, on jouait dans l'eau, on faisait du canoë, on pêchait. C'était notre terrain de jeu, quoi. Et la vie locale est aussi tournée autour de la rivière. Quand on voit en période estivale, c'est vraiment la vie de la ville, c'est la rivière. Au fil des siècles, l'île sur la Sorgue va se développer grâce aux eaux de la rivière. Aujourd'hui encore, elles font tourner ces gigantesques roues à aube qui alimentaient au 19e siècle une centaine de manufactures de laine et de soie et de nombreux moulins. Ce n'est pas un moulin, mais une autre spécialité locale, aquatique bien sûr, que Vincent nous emmène découvrir. Il en est un véritable adepte. Salut Alain. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va. Tu bricoles? Alors je bricole, c'est de la grosse bricole là. Ben là, tu vois, je suis en train de passer le produit pour finir de le traiter. Et puis on peut Il est bon pour la navigation. Bon pour la navigation. Si Alain bichonne tant son bateau, c'est qu'ici, cette drôle de barque est une véritable institution. Première particularité, elle se manœuvre debout. Dans une ville que l'on surnomme la Venise provençale, on se devait bien d'avoir ces gondoles. La ville de l'Île-sur-Sorgue, la ville et les bateaux sont vraiment liés en fait. Ben, à l'origine, il y avait cette peuplade de pêcheurs et ils se sont retrouvés un peu dans les marécages, un peu sur la rivière. À des moments donnés, il fallait bien traverser, il fallait aller y travailler dessus, il leur a fallu quelque chose. Et ce quelque chose, bon, ça n'a pas dû arriver d'un coup de baguette magique, ça, on en est certain. Hein. Et pour faire perdurer la tradition, ce bateau, Alain le fabrique avec passion depuis plus de 35 ans. On l'appelle le négochine. Traduction provençale, même un chien s'y noirait. Pas très stable peut-être, mais pour Alain, à rivière unique, forme de bateau unique. Les anciens ont dû créer ça, un bateau à fond plat, les bouts légèrement relevés, ouais. Parce qu'il fallait qu'il soit un peu relevé. Ben, tu connais suffisamment la rivière. Quand tu arrives sur des gravières, les esquillants, où il y a très peu d'eau, il faut que ça vienne dessus. Et puis le fait d'être légèrement relevé, ben, il y a un côté un peu fuyant sur l'eau. Hein. Et les anciens disaient, un bateau qui est bien fabriqué ne souffle pas. Ouais, il glisse sur l'eau sans faire de bruit pour pas effrayer le poisson. Mais c'est vrai que tu vois, pour arriver sur le lieu de pêche et surprendre le poisson, quitte avec la fichouille, le pan de trident lillois, crac. Un personnage, c'est Alain. Et une telle passion, forcément, ça ne date pas d'hier. J'ai bassiné mon père, j'ai dit, papa, il faudrait que tu me fabriques un bateau. Alors, comme j'étais pas une lumière à l'école, il me dit, c'est simple, il me dit, tu te mets au boulot, tu me ramènes des bonnes notes et on fabriquera le bateau. Eh bien, le bateau, je l'ai attendu longtemps. Hein. Donc, tu t'es dit, bon, allez, à moi de prendre les choses en main. À 19 ans, quand je suis sorti de l'armée, j'ai acheté mes trois premières planches et j'ai fabriqué mon bateau avec mon père. Après Alain le constructeur, c'est Alain le navigateur que l'on va découvrir. On se retrouve à la mise à l'eau. Eh bien, on se retrouve à la mise à l'eau. Mais avant que nos deux complices ne s'attaquent à la rivière, patience, laissons sécher le négochine. En attendant, Vincent tient à nous montrer un monument incontournable ici. C'est la sublime collégiale Notre-Dame des Anges. Salut François. Salut Vincent, ça va? Et toi? Très bien. Moi, la collégiale, je la vois depuis que je suis tout petit. Mais Vincent y retrouve son ami François, archéologue et spécialiste du patrimoine de la ville. C'est une collégiale qui a été fondée au tout début du XIIIe siècle par l'évêque de Cavaillon en réaction avec une certaine forme d'autonomie qu'avait pris cette ville de Lille par rapport à son évêché de tutelle qui était à l'époque Cavaillon. Alors, de l'édifice du XIIIe siècle, il ne reste absolument rien parce qu'il y a eu toute une série de reconstructions, c'est ça, qui s'est opérée à partir du XVe siècle. Et in fine, on arrive à un édifice qui est absolument remarquable dans sa conception pour la période baroque. Tu peux peut-être aller me montrer à l'intérieur ? Bien sûr, bien sûr. À l'intérieur, le décor fascine. Dorure, boiserie, luxuriance, le baroque dans toute sa splendeur.
C'est vrai qu'elle est autant impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Oui, ben c'est les proportions déjà qui veulent ça, parce que tu as un édifice qui est quand même grandiose, une nef énorme, et des chapelles latérales. Ça correspond bien à l'époque. Hein. Dans la nef, vraiment, on réserve des grands espaces pour l'accueil des fidèles, et on accueille les confréries, donc dans les chapelles latérales. Tu connais mon attachement pour la rivière. Je crois qu'il y a une des chapelles qui est pour Notre-Dame de Sorgueil, qui est la sainte patronne des pêcheurs. Oui, alors il y a une chapelle latérale donc, qui est vouée à cette dévotion à Notre-Dame de Sorgueil. C'est après la suppression de la confrérie à la Révolution, la confrérie des pêcheurs donc, s'est réinstallée ensuite ici dans cette chapelle latérale. Et qui dit pêcheur dit référence à la star locale. Et je ne sais pas si tu sais, tu as la statue de la Vierge. Oui. Et en bas, là, sur le socle, c'est Négochine qu'on retrouve sur le fond bleu, sur les eaux de la Sorgue, ça représente. Et donc, le Négochine, la barque des pêcheurs, d'où le lien avec, bien sûr, la Notre-Dame de Sorgueil, avec son embarcation traditionnelle. Une embarcation traditionnelle que nous allons enfin voir à l'œuvre. Vincent retrouve Alain avec son Négochine, fin prêt pour la navigation. Ça va, Karim ? Ouais. N'hésitez pas, vous aussi, à vous offrir cette balade. Une occasion unique de découvrir la ville au fil de l'eau. Ben on est bien là sur l'eau, Alain. Ah, on est mieux là qu'au travail, hein ? Ah, ben ça ! Vincent aussi possède son propre Négochine. Une version plus moderne du bateau, adaptée entre autres aux courses de vitesse. Alors, entre le puriste et l'amateur de sensations fortes, l'humeur est taquine. Bon, ces réparations, ça tient ? Oui, ça tient. Regarde. Impeccable. Il n'y a pas d'eau au fond du bateau. Tout va bien. Pour le moment, il n'y a pas d'eau. Pour le moment. Tu serais un peu mauvaise langue, là, non ? Non. Ah, je croyais. Même si on a des pratiques différentes, l'amour est le même. Il y a quelques années en arrière, avec des copains, il avait un bateau, il habitait au bord de l'eau au partage. On prenait le bateau, le soir, on allait manger à la glace. Et tu remontais un bateau. Voilà, on prenait le bateau, on la met un sac saché au bord. C'est mieux que le métro, hein. Ah, mais ça, il n'y a pas d'heure de pointe au moins. Pour la prochaine étape de Vincent, pas besoin de métro non plus. C'est en Négochine qu'il fera le voyage. Ah, tu fais la grande descente, ouais. Bah, la grande montée. La grande montée. La grande montée jusqu'à la fontaine. Tu mangeras pas à l'heure, alors, hein ? Si aussi, avec un peu de chance, on ramasse un poisson cours de route. C'est jamais. Pourquoi pas. À bientôt, Vincent. Ciao. Allez, bonne fin de journée. Merci. Ciao. Direction le village voisin, Fontaine de Vaucluse. L'un des sites les plus visités de la région. ...15 minutes en voiture, un peu plus en Négochine. Mais quand on aime, on ne compte pas. À l'arrivée, Vincent vous conseille de bien vous accrocher car le spectacle vaut le coup. Et c'est vrai que Fontaine, comme on la surnomme, a de quoi faire tourner la tête. C'est ici que la Sorgue prend sa source. Par son volume d'eau écoulée, c'est la première source de France... est l'une des plus importantes au monde. En été, c'est un gouffre profond et sombre que l'on découvre. Au printemps, l'eau jaillit des tréfonds de la terre, donnant lieu à des crues spectaculaires. C'est aussi cette eau pure et abondante qui a fait de Fontaine un haut lieu de fabrication du papier jusqu'au milieu du XXe siècle. Ultime témoin de ce passé industriel, ce moulin à papier entièrement réhabilité. Salut Gérard, ça bosse ? Pour Gérard, la tradition du papier d'art fabriqué à Fontaine, c'est sacré. Et chaque jour, il en explique avec passion les techniques millénaires. Donc au début, ça se faisait comme ça à l'origine. C'est la méthode ancestrale. Ah, ça, c'est la méthode qui date du 14e, 15e siècle. Récupération de vieux tissus, du coton, du lin, du chanvre. Ouais. Et c'est ça qui servait de base, de matière première pour faire le papier. D'accord. À l'ancienne. Ok. Mais c'est pas dangereux, là. Tu te coupes jamais avec ça ? Ah, il faut faire attention. Non. Pour l'instant, je suis vigilant. C'est parti pour la démonstration.
Direction la salle dite des piles à maillets pour la première étape de transformation du tissu. Merci. Bon, je vais arrêter les marteaux là parce que tu vois, il y a trop de boulot, on va pas pouvoir parler là. Une drôle de machine aussi bruyante qu'authentique. Voilà, là, ça va mieux. Donc tu vois, ça c'est la machine qui était utilisée dans le temps pour fabriquer la pâte à papier. D'accord, donc ça c'est la machine d'origine ou quoi ? Machine d'origine. D'accord. Donc le moteur de cette machine, c'est la roue qui est à l'extérieur, tu vois, on va utiliser l'énergie de la rivière. D'accord. Le but c'est de faire tourner cet arbre à cames qui lui va entraîner ce mouvement des marteaux. Okay. Et par percussion, on va arriver à transformer ce chiffon en pâte à papier. Et tu vois, ce que tu vois là, c'est le résultat final. Ok. Là, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Et combien de temps à peu près pour obtenir Alors, pour obtenir ça avec cette machine-là, c'est une trentaine d'heures environ. Sur le papier, rien de compliqué. Après 30 heures sous les marteaux, la pâte à papier est versée dans une cuve remplie d'eau, prête à être mise en forme. L'eau, c'est un peu le véhicule qui va permettre de faire bouger cette pâte. Comme à l'époque, Gérard utilise un moule en bois au format de la future feuille. Le but, séparer la fibre de l'eau. Donc là, on plonge. On récupère une quantité de pâte. Alors un petit mouvement croisé comme ça, ça donne un peu plus de solidité au papier. On laisse égoutter, tu vois l'eau qui passe à travers, hein. Ouais. C'est comme un tamis. Donc là, tu as 80 à 90% d'eau encore. Donc ça va s'affiner après ? Ça va s'affiner. D'accord. Mais là, pour l'instant, bon, c'est difficile de faire grand-chose. C'est très fragile, si je la touche, ça va se déchirer immédiatement. Donc j'ai un geste particulier qu'on appelle le couchage, qui consiste en fait à démouler la feuille de papier pour venir la coller sur des tapis en laine qu'on appelle des feutres. Si tu veux, on va rigoler un peu, tu vas essayer. Mais c'est pas évident. Alors là, tu prends par en dessous, tu vas t'aligner sur le bord. D'accord. Et tu renverses en appuyant. Progressivement. Et vas-y, tu appuies, tu relèves de l'autre. Et voilà. Magnifique. Ah, ça va alors. Bon, là, tu vois, regarde. Ah, tu as vu la petite trace là ? Ah, mais ça, c'est un remontant. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau. Alors, ça, avant, c'était un défaut. Ouais. Aujourd'hui, c'est la preuve formelle que c'est un papier qui était fait à la main. D'accord. Tu n'auras jamais ce défaut-là sur un papier fait en machine. Donc, c'est devenu une qualité. Bon, ça va. J'ai fait un beau papier. Voilà, tu as fait un beau papier. Et en plus, sache que ta feuille, elle est partie pour au moins 7 à 800 ans en durée de vie. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la cellulose de bois. Une cellulose de bois, c'est 150 ans, 200 ans. Ah oui. Là, tu pars sur un papier de super qualité. Après le couchage, le papier est débarrassé de son eau, puis séché durant 2 à 3 jours. Ensuite, le papier passe sous le laminoir. Et c'est là où on va l'aplatir complètement et on va le lisser. D'accord. Ça, c'est là. Je peux t'en prendre. Oui, oui. Ça, c'est la dernière étape dans la fabrication du papier. Fin de la leçon. Là, je vais te laisser un petit souvenir en passant. Ouais. Ah, super. Voilà, ça c'est pour toi. Ben, merci beaucoup. Voilà, le travail est terminé. Bon, mais ça va. C'est très gentil de ta part. Écoute, merci beaucoup, Gérard. À bientôt. Il est l'heure pour Vincent de quitter le papier et de rejoindre la ville tant attendue. La voilà, la belle Avignon. Son célèbre pont, son festival, et puis surtout son palais des papes, le plus grand palais gothique du monde. Salut ! Salut Vincent ! Ça va ? Ça va bien. Ce monument, c'est Julien qui est en charge de sa bonne conservation. Et son histoire, il la connaît par cœur. Édifié à partir du XIVe siècle, ce palais est l'œuvre de Benoît XII et Clément VI, deux papes fuyant alors une Rome hostile. À cette époque-là, Rome est en proie à de très grosses difficultés. On peut quasiment parler de guerre civile. C'est le seul épisode de l'histoire durant lequel la papauté ait été éloignée aussi longtemps de Rome, c'est-à-dire à peu près 70 ans. Mais pourquoi ils ont fait le choix d'Avignon ? Avignon est une ville qui déjà est à proximité d'un territoire qui appartient au pape depuis le XIIIe siècle, qui est le Comtat Venaissin, c'est-à-dire l'actuel département du Vaucluse. Après, second facteur, c'est que Avignon est un lieu de passage extrêmement important de par la présence du pont. Le fameux pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé, qui effectivement à cette époque-là. C'est un des seuls ouvrages pour franchir le Rhin. Exactement. Il est quand même impressionnant. Cet ouvrage, quand on le voit, ça fait presque un château tellement qu'il. Je ne te l'ai pas dit, je ne t'ai pas donné quelques chiffres clés. On a 15 mm² de surface, cour et jardin compris, qui sont bâtis là. On estime à peu près à 400 000 florins les sommes mobilisées pour la construction de la totalité du palais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver à le convertir en euros. Mais il faut se dire, par exemple, que le pape Clément VI a racheté la ville à la reine Jeanne de Naples pour 80 000 florins. Ah 80 oui. 000. Mais donc, en fait, la construction du palais, c'est 4 fois l'achat de la ville. Le but, clair, c'est d'impressionner, de démontrer la puissance du pouvoir. À l'intérieur, même objectif. Dimensions incroyables, fresques inestimables,
et surtout d'immenses salles de réception qui ont accueilli cérémonies et grands festins. Il faut voir qu'Avignon a un très fort pouvoir d'attraction en tant que capitale de la chrétienté. Ouais. Les gens viennent de partout. L'empereur a été reçu ici, le roi de France, les grands princes se déplacent à Avignon. Au total, 9 papes ont vécu dans ce palais. Et ici, pour les changements de règne, pas de fumée blanche comme au Vatican, mais un mode d'annonce plutôt sonore. D'accord. Et le son de quel instrument ? Une cloche. La cloche. D'accord. Celle-là était même une cloche d'argent très précieuse. Ouais. Et donc, on carillonnait ici au palais, et on carillonnait aussi dans l'ensemble de la ville. Et comment, du coup, on différenciait ce son-là des autres sons ? Parce que ça carillonnait pendant 24 heures de manière continue, on annonçait l'élection pontificale. Ah ouais, donc voilà. Oui, on devait le savoir, oui. Donc voilà, là, on va emprunter un passage qui n'est pas ouvert au public. C'est par cet escalier dérobé que la visite continue. Direction la chambre du souverain pontife. Impressionnant. Une chambre qui fait quand même à peu près 70 mètres carrés. Ah. Au mur, de magnifiques fresques colorées, réalisées par les plus grands artistes italiens de l'époque. Ça, c'est les peintures d'origine. Peintures d'origine qui, évidemment, à travers le temps, ont souffert et qui ont fait l'objet de restaurations, de reprises évidentes. Tu sais à quel endroit il dormait ? Alors, le lit, on sait préciser à peu près sa position parce qu'on a retrouvé au niveau du plafond des petits crochets où on tendait ce qu'on appelait des courtines. C'est-à-dire que c'est un lit à courtines qui constitue une pièce dans la pièce, en fait, pour garantir l'intimité absolue du pape. Donc, c'était vers ici, là ? Oui, il était sans doute près de la cheminée, ouais. Ici, et près de cette fenêtre d'aération, à laquelle on accédait, évidemment, par tout un système d'escabeaux. D'accord, je te suis. On part là ? Oui, on va par là. Avant de se quitter, Julien tenait à offrir un dernier cadeau à Vincent. Donc voilà, on arrive au sommet de la tour Saint-Laurent. On est à peu près à 50 mètres de haut, ce qui nous permet d'embrasser une vue à 360 degrés complète autour du palais. Et là, c'est le point le plus haut d'Avignon, là. On est sur les points les plus hauts, oui. C'est un paysage qui, sans doute, les a beaucoup séduits et qui a certainement aussi participé au fait qu'ils prolongent leur séjour sur les bords du Rhône. C'est magnifique. L'endroit idéal pour terminer en beauté cette visite du Palais des Papes.